Joyeux Halloween, la team Kito! Et aujourd'hui, les amis, c'est une vidéo vraiment très spéciale parce que regardez autour de moi, je suis sur un Brookhaven Halloween. Ouais, ouais, vous avez bien entendu ça. C'est un vrai Brookhaven Halloween. Rien à voir avec le Brookhaven qu'on connaît et rien à voir avec d'autres Brookhaven Halloween. Là, c'est le vrai Brookhaven Halloween. Le meilleur. Enfin, quand je l'ai trouvé, je me suis dit, il fallait vraiment que je vous le montre en vidéo parce que il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir. Et j'entends même un bonhomme, un espèce de monstre qui est en train de crier. J'entends des battements de cœur, enfin j'entends plein de trucs vraiment horribles. Mais en tout cas, il se passe vraiment beaucoup de choses dans ce Brookhaven Halloween. Regardez, rien qu'ici, il y a marqué essaye-moi. Non mais attendez, on va essayer d'aller voir ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment beaucoup trop de choses à voir. Waouh! Oh non mais c'était vraiment ce truc à faire. Non, j'ai pas envie de faire ça moi. Ok, ok, non mais qu'est-ce qui se passe? Ce Brookhaven Halloween est vraiment incroyable les amis. On va continuer de le visiter. En tout cas, ici ça fait vraiment peur. Et franchement les amis, Halloween, ça fait peur quand même. On est d'accord que ça fait vraiment peur. Bon. On va continuer de visiter parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de choses à voir. Et franchement, regardez là-haut. Regardez là où il y a les maisons. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Non mais, ça fait peur, on est d'accord. Waouh, il y a un squelette là-bas. Ok, ok, on ira voir ça après. Oh là là, il y a vraiment beaucoup trop de choses. J'ai l'impression qu'il y a un espèce de manoir hanté. Enfin, je dirais pas ça comme ça, mais presque en fait. On dirait un espèce de... Ouais, c'est ça, c'est un manoir hanté. On va aller voir directement. Oh là là, il y a vraiment beaucoup trop de choses, les amis, dans ce Brookhaven hanté. Et là, il y a une petite sorcière, regardez. Il y a une petite sorcière avec son chaudron. On dirait qu'elle est en train de faire des sorcelleries. Oh là là, ça fait vraiment peur. Bon, moi, je vais rentrer dans cette espèce de manoir. En tout cas, il n'y a pas grand-chose. Je vois qu'il n'y a pas vraiment grand-chose dans ce manoir. Il y a un étage, donc peut-être qu'il y a des choses à l'étage. On va aller voir ça tout de suite, les amis. Oh non, on ne peut pas monter. Bon, tant pis, on va redescendre. En tout cas, les amis, vraiment, Halloween, c'est une fête vraiment spéciale. Il y a un monstre là-bas. Il y a une espèce de monstre. Oh non, il faut que j'aille voir ça. Franchement, il n'y a qu'Halloween qu'on voit des trucs comme ça. Il y a même un espèce d'autre monstre ici. Oh non, j'ai vraiment peur que je me suis embarqué dans un Brookhaven qui va vraiment me mettre pas très bien. On va aller voir quand même le reste. Mais en tout cas, félicitations à la personne qui a fait ça. Franchement, c'est un Brookhaven complètement fou, complètement Halloween. Non mais franchement, qui pensait voir ça un jour? Là, qu'est-ce que c'est ici? On dirait un espèce de cimetière d'Halloween avec des citrouilles. Ici, on est dans de l'eau chaude. Mais pourquoi? Je comprends pas. Et là, on peut rentrer là-dedans. Et... Oh, attendez. Attendez, je suis dans un truc vraiment... Ça me fait peur ici. Il faut que je ressorte de là. Non, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Non, j'avais vraiment peur, les amis. Non, non, ne rentrez pas là-dedans. Je vous le conseille pas. Qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas? Regardez, il y a une espèce de souris qui est en train de se battre contre un monstre. Et je crois que le monstre... Ah, non, il a pas gagné. Attendez, on va aller voir ce qui se passe quand même. Waouh, la souris. Non, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Non, mais... Attendez, ça fait vraiment peur ce truc. Ok, non, la souris, elle vient vers moi, je crois. Je crois qu'elle vient. Non, elle vient pas vers moi. Si, elle vient vers moi. Oh non, la souris, s'il te plaît, s'il te plaît. Non. La souris, c'est quoi ce monstre horrible? Non, mais la souris. Oh non, c'était sûr qu'elle allait me faire ça, la souris. Non, mais pas possible. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Oh là là, cette souris. Bon, on va continuer de visiter. Et il faut que j'aille voir de l'autre côté. Attendez. On va aller voir un petit peu ce qui se passe par ici, parce que là j'ai vu qu'il y avait... Ok, non mais attendez, regardez-moi le commissariat, comment il est avec des espèces d'arrêts. Ouah, qu'est-ce qui se passe sur ma tête? Non mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est quoi ça encore? Ok, faut que je l'esquive, je crois qu'il revient vers moi. Oh non, je pensais pas qu'il allait se passer ça. Vite, vite, on essaye de l'esquiver. Ok, non, il me poursuit encore les amis. Et là, il y a une espèce de grand squelette avec... Qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce grand squelette? Ok, il est en train de chercher des bonbons, je crois. Franchement, c'est le pire. Oh non, ça recommence. Il est derrière moi. Ah non, il arrive, les amis. Il faut que je l'esquive. Vite, si je rentre dans l'école, ça devrait le faire. Il va pas me poursuivre dans l'école quand même. Il a. Oh non, il a pas peur de l'école. Non, s'il te plaît. Non. Ben non, c'est fini. Ok. Vu que le temps il est compté et peut-être qu'il va encore me retrouver, me rechercher encore ce bonhomme, faut vraiment que je trouve un endroit tranquille, un endroit sûr pour continuer de visiter ce Brookhaven, parce que là franchement, les amis, on peut pas passer à côté de ce Brookhaven. C'est pas à cause d'un petit monstre comme ça qui essaye de me faire peur que je vais passer à côté de mon Brookhaven Halloween. Non mais c'est pas possible. Franchement, je peux pas le permettre. Ok, parfait. En tout cas, les amis, là ici il y a une espèce de manoir hanté, donc on va aller le visiter. Ok, non mais ça c'est vraiment Halloween ça. Ça c'est vraiment trop Halloween pour moi. On peut pas passer les portes. Oh non, on peut vraiment pas passer les portes, les amis. Ok, c'est vraiment dommage. On va retourner de l'autre côté et monsieur le clown. Oh non. Oh non, ça c'est vraiment un des trucs qui me fait le plus peur d'Halloween, les clowns. Non, je peux pas. Je peux vraiment pas, les amis. Il faut vraiment que j'aille visiter le reste. J'espère qu'il n'y a pas des trucs encore avec des clowns ou des trucs comme ça. Et là, attendez, il y a un squelette. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Non, mais attendez, j'ai l'impression que tous les trucs que j'approche, ils vont me tuer. Non, mais c'est pas possible. Je vais éviter de m'approcher de certains trucs.
Là, c'est une maison Brookhaven Halloween. Oh, regardez comme elle est super bien faite. Est-ce qu'on peut rentrer dedans? Est-ce qu'il y a une entrée ou quoi? Attendez, peut-être que là, on peut rentrer. Oh non, on peut pas rentrer par ici. J'ai l'impression que là-bas, à la ferme, ils ont mis une maison labyrinthe. On va aller voir ça. J'espère vraiment que c'est un labyrinthe qui va me donner un truc cool et pas juste me donner un monstre ou quoi. Enfin, un truc vraiment super méchant. Franchement, ce serait n'importe quoi. Allez, on y va, les amis. C'est vraiment super flippant, en tout cas, ce Brookhaven, les amis. Franchement, vous vous rendez pas compte. C'est quelque chose, quand même. Bon, alors, elle est où l'entrée de ce truc? Attendez, parce qu'on peut sauter, peut-être. Peut-être que je peux sauter pour y aller. Non, on peut pas sauter. On peut vraiment pas tricher. C'est pas grave. On va y aller, les amis. Et ici, il y a un champ de maïs. Oh là là, mais j'ai l'impression que il se passe vraiment des choses. Ok, non, mais. L'entrée du truc. Ok, non, mais ça, c'est vraiment Halloween, là, pour le coup. L'entrée qui est complètement cassée. Le labyrinthe, en fait, j'ai compris. Il est complètement cassé. Il marche pas. Oh non. Je me dis pas que je me suis coincé dans ce labyrinthe complètement tout cassé. Bon, ça va. Je vais pouvoir ressortir, je pense, par ici. Et voilà. C'était plutôt simple. Bon, les amis, il faut que j'aille voir quand même de l'autre côté parce que là, regardez-moi ça. Non, mais juste regardez l'espèce de squelette là-haut. Je sais pas trop ce qu'il est en train de faire sur l'arche. Non, mais c'est vraiment super flippant, les amis. C'est vraiment super flippant ce jour d'Halloween. C'est vraiment incroyable. Franchement, les amis, dites dans les commentaires si vous aimez Halloween. Dites-le moi, c'est super important. Et là, il y a une espèce de dragon. Ok, bon, ça, ça va. Ça me fait pas trop peur, on va dire. Enfin, si, un peu quand même. Mais on va dire que le truc qui me fait le plus peur, c'est peut-être le truc sur l'arche, là. Voilà, l'espèce de squelette qui est en train de se pendre comme ça. Non, mais c'est vraiment super flippant, ça. On va aller sur la toile d'araignée. Attendez, on peut essayer d'aller sur... Voilà, parfait, on est sur la grande toile d'araignée. Et regardez-moi ça. Non, mais regardez derrière moi comme ça fait vraiment peur. Bon, on va continuer de visiter parce que là-bas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de manoir hanté encore. J'espère qu'il ne va pas se passer des trucs vraiment qui font super peur parce que moi, je... Bon, j'ai pas peur, d'accord, je suis un grand bonhomme, je suis grand et j'ai pas peur, moi, les amis. On y va, c'est parti. Et, ok, là, ici, il y a... Oh non, il y a un monstre encore, mais ils sont obligés de me mettre des monstres de partout. D'ailleurs, vous vous déguisez en quoi, vous, pour Halloween? Si vous faites Halloween, dites-moi en quoi vous vous déguisez dans les commentaires. Moi, j'ai envie de me déguiser en citrouille, mais Miss Darkito, elle veut pas. Elle me dit que la citrouille, ouais, c'est trop pas pour moi et tout. Enfin, ça fait trop bizarre, quoi. Donc moi, voilà, moi, je suis assez déçu. Je voulais me déguiser en citrouille. Comment je ressors d'ici, par contre? Je voulais me déguiser en citrouille et j'ai l'impression qu'elle veut pas, Miss Darkito. Dites-moi, les amis, en quoi vous vous déguisez, vous? J'espère qu'il y a quand même des gens qui se déguisent en citrouille. Rassurez-moi, quand même. Je suis pas le seul. Bon, on va continuer de visiter et j'espère qu'il y a d'autres trucs à voir. Non, mais regardez, je me balade tranquillement. Je me dis que je vais aller au restaurant et regardez ce qu'il y a dans le restaurant. Franchement, partout où je mets les pieds, il y a un truc. C'est un truc de fou, vraiment. Là-bas, j'ai l'impression qu'il y a une forêt hantée. On va aller la voir, la forêt hantée. Oh là là, vous imaginez une grande forêt hantée. Oh là là, on va aller voir ça directement, les amis. D'ailleurs, j'ai un bouton de sac à dos. À quoi il sert? Ah, ok, bon, je pouvais avoir une lampe torche. Je peux. Bah, je clique et. Oh, attendez. Je peux avoir de la musique. Oh, j'ai pas trop envie d'avoir de musique, par contre. De la pizza? Je peux pas avoir de la pizza, nounours? Oh non, ça marche pas, les amis. Bon, il y a pas grand-chose qui marche. Et là, là, ici, les amis, on dirait une espèce de forêt hantée. Mais pourquoi ils ont fait ça comme ça? Me dites pas qu'il y a pas de monstre. Je sais pas si vous voyez, mais faut vraiment avoir l'œil. On voit un petit point rouge là-bas. Qu'est-ce que ça pourrait être, à votre avis? Il y a un tout petit point rouge. J'ai l'impression que ça s'approche vers moi. J'ai l'impression que... Oh non, 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 mais non, mais c'était sûr. C'était sûr. Oh non, je peux pas grimper à l'échelle. Non, non, s'il vous plaît, aidez-moi. Oh non, cette araignée, elle arrive vers moi, c'est sûr que... Oh non, les portes, elles sont fermées. Non, les portes, elles sont... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui... Waouh! Ouais, mais non, mais me faites pas ça à moi, mais j'ai pas mérité ce truc, j'ai pas mérité une espèce d'araignée qui m'envoie des espèces de trucs bizarres, on dirait des faux du tueur ou quoi. Mais attendez, elle est là-bas, regardez, elle est revenue là-bas l'araignée. Attendez, on va aller la voir, on va aller l'observer, on va observer ce spécimen d'araignée vraiment spectaculaire, regardez, elle est là. Oh, c'est quoi ce truc? C'est marqué une araignée fantôme. Non mais attendez, comment je fais pour te tuer toi? Waouh, aïe, 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 non. Ok, ok, elle fait vraiment super mal, elle fait vraiment trop mal en fait, je pensais pas qu'elle ferait aussi mal. S'il vous plaît, les sorcières, sauvez-moi s'il vous plaît, les sorcières, non mais me faites pas ça, sauvez-moi, il y a l'araignée derrière moi. Oh non, elle s'en fout complètement, moi je compte pas pour elle. Tant pis, moi je vais me réfugier ailleurs, les amis, parce que là franchement, il va falloir se reposer un petit peu avant de revenir sur le vrai Brookhaven. Je vous le dis, là, c'est vraiment n'importe quoi. Oh non, pas l'école, c'est vrai, pas l'école, il y a l'espèce d'autre tueur. Oh non, bah il est là, en fait, non. Oh non, 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 s'il vous plaît. L'araignée, le tueur. Oh non, 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 vite, et voilà, ça recommence, les amis. Oh, franchement, ce Brookhaven, il est de pire en pire. Plus j'avance, plus il y a des trucs bizarres. Bon, les amis, souhaitez-moi bonne chance, et puis... Moi, je vous dis à la prochaine. Joyeux Halloween. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à regarder d'autres vidéos. Allez, moi, je vais courir un petit peu. C'est vraiment n'importe quoi. Franchement, j'espère que je vais survivre.